ことはさせない。そう決まっていたとしても、脳天一撃マンチェスタースマッシュ。病人か。まずい。君は本当に言われたことを守らないよ。Bon, je suis navré, il y a visiblement un problème. Je relance tout de suite mon stream. Je pense que c'est une erreur au titre. Il y a comme une protection contre le stream, je ne comprends pas. Ah, quoique. Je crois que ça va aller. Ok, c'est bon. Bon. Voilà, les fameuses mises à jour de la version bêta du logiciel de stream de Twitch. Voilà, là j'espère que ça va aller. Voilà, sinon Tamara, tu es toujours avec moi ? Kamino no Akumu to yobareru daijiken.一夜にして多くのヒーローたちに大打撃を与えた翌日、僕はオールマイトに呼び出す。Voilà, donc clairement, le jeu semble prendre part directement à la suite du précédent. Alors, à savoir que le premier jeu, My Hero Injustice, ne couvrait pas My Hero dès le début, mais au milieu de la première saison, à compter du moment où le personnage principal allait s'entraîner auprès du papy, je sais plus son nom, hein, c'est celui qui avait également formé All Might. Que vous voyez en ce moment à l'écran, et c'était arrêté au combat justement entre All Might et donc entre le One for All et le All for One. Voilà, mais donc là il s'agit clairement de la suite directe. そしてもう戦える体ではないこと、つまり事実上の引退を聞かされたんだ。ワン・フォー・オールの残り火は消え、マッスルフォームもろくに維持できない。だというのに君は毎度毎度何度言われても飛び出していってしまうし、何度言っても体を壊し続けるし、だから今回君が初めて怪我をせず窮地を出したこと、すごく嬉しい。これから私は君の育成に専念していく。強くなれるかなではない、強くならなきゃいけない。緑谷少年、チュートリアルの時間だ。Ça tombe bien, je me souvenais pas des commandes. Ok, par contre, je vais te les cibler. Ok. Donc, contre-attaque. Ouais, mais contre-attaque, forcément, c'est quand lui-même est en train de frapper. Hop. Oh l'enfoiré. Voilà. Ok. Ok. Maintenir Y ou B pour le faire spécial. Mais laisse-moi faire! D'accord. Laisse-moi faire! Ok. Donc Y et B c'est charge alter et B c'est les coups normaux. Je vois pas la différence. Voilà, donc j'ai vu aussi qu'il y avait. Ok, ça c'est pour courir. Ouais, bon, passons. Qu'est-ce que je vois encore valider? Contre-attaque. Mais contre-attaque, alors ça veut dire que je tape au moins 8 tapes. Ok. Ok.
Mater spécial. Ok. Mais ça me l'a pas enregistré, donc j'ai pas fait ce qu'il fallait, évidemment. Yes. Et la même chose avec l'autre bouton. Donc l'autre alter. Yep. Et enfin, charge aérienne. Aérienne, donc c'est en shot. Voilà. OK. Bon, jusque là c'est pas bien compliqué. Non, vous m'entendez bien ? Alors, un petit instant, je vérifie quelque chose. Hop. Alors, mon niveau sonore par rapport au jeu, ça a l'air d'aller. OK. 無限にもある未来の中、僕はオールマイトと出会い、ワンフォーオールの後継として選ばれた。今までずっとがむしゃらに走ってきた。目の前のことに精一杯だった。次は君だ。 オールマイト。モードレクチャーの時間だぜ、リスナー。アーユレディ？ストーリーモードは原作のストーリーを追体験できるモードだ。条件を達成する。Ouais, bon, ça c'est pas bien différent du précédent jeu. Alors, les chapitres sont divisés en parties principales et secondaires. Comme dans bien des jeux, finissez les sections principales pour continuer l'histoire. Les secondaires, elles proposent des points de vue différents. Ok, choisissez principal ou secondaire avant de lancer le chapitre. D'accord. Alors, le mix channel pour chaque mode est aussi disponible depuis le menu d'options. Consultez le livre des succès qui indique votre progression et permet d'accéder à la configuration via le menu des options. Ouais. Bon, carte de joueur, ça je sais que c'est pour le mode online. Pas celui que je compte faire aujourd'hui. Ouais, donc nous on fera le mode histoire aujourd'hui. Alors sinon, oui, les missions, ça, il y avait déjà ça dans le jeu précédent. Évoluer le groupe en remplissant des missions, ouais, bon. Ça permettait ça de faire surtout de l'XP et de débloquer des compétences. Le nombre de joueurs, les règles, est-ce qu'on bat hors ligne? D'accord, ça c'est... Le joueur, les règles, se battre hors ligne, d'accord. Donc hors ligne, ça signifie jouer chez soi avec les copains. En ligne, c'est-à-dire ce que ça veut dire, arcade, ordinateur, ouais. Entraînement, utile. Ok. Ah, par contre, au niveau des options, j'en suis où? Configuration. Je vérifie juste
que mes paramètres sont poussés au max. Voilà, bon, j'ai déjà désactivé le flou de mouvement, ça c'est quelque chose que je déteste. Vous savez, c'est quand les mouvements de caméra sont rapides et que tout se floute, je déteste ça. Ok. Ok, par contre, ce que vous voyez à côté de héros, enfin en dessous, là, les points d'interrogation, c'est comme le jeu précédent. Lorsque vous terminez le mode histoire du point de vue des héros, se débloque celui des vilains. Voilà, donc vous voyez en haut, c'est écrit terminé 2%. Et en fait, quand on termine l'histoire des héros, quête annexe compris, ça s'arrête à 50%. Voilà, à ce moment-là, si on compte faire celle des vilains, vous pouvez considérer que vous n'êtes qu'à 50% du mode histoire. Donc voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, du moins cette partie-là, All Might, qui est le super-héros qui m'avait légué ses pouvoirs, a donc perdu les siens totalement, ce qui est les brides qui lui restaient lors de son combat précédent. En conséquence, mon personnage n'a plus vraiment quoi que ce soit à prendre de lui. Voilà. Et dans le monde de My Hero Academia, les super pouvoirs s'appellent des haltères. Normalement, ceux qui ont des haltères, donc des pouvoirs sur cette terre-là, qui est dans un avenir proche, l'ont dès la naissance. Voilà, dans le cas de notre héros principal, ce n'était pas le cas. C'est une personne qui a légué les siens, qui avait cette aptitude-là. Merci Tamara, lol. Il doit me battre combien de fois contre lui? Ah, d'accord. Ok, ça c'est pour apprendre à se battre avec ses coéquipiers. On va apprendre des techniques mineures. Ok. Après une attaque, LB, on va essayer. Ok. RB, ok, ça c'est pour la direction. 1-1. Récupération énorme. Enfoiré. Ah, mais il faut que je sois au sol pour utiliser la récupération alors. Utilisez LB au sol. Ah, mets-moi au sol, vas-y. Voilà, ok. Les contre-attaques de garde, ZB en bloquant les attaques et utiliser. D'accord. Non? Bah alors. On va pas là. Les acolytes. Attaque d'acolyte, ouais, bon. Hop, hop. Non. Yes. Moi aussi en art de lune. Alors une noire d'Harry, Tamara, je vois pas ce que c'est. Alors, pour essayer de déclencher un plus ultra 1. D'accord. Bon bah go. Oh oh oh. J'ai l'impression qu'un plus ultra ça fait mal. Et le plus ultra 2. Allez, bon. Ouais, bon, elle est déjà chargée. Remplis la barre. Pourquoi elle est pas chargée? Ah non, il faut la remplir au max. Il faut se taper dessus. Ok, ça c'est nouveau, hein. Dans l'ancien, la barre, c'est pas écrit plus ultra. Allez, debout. Oh l'enfoiré! Il va m'empêcher de lancer.
D'accord, je connaissais pas Tamara. Alors, je sais pas si vous avez déjà essayé le jeu précédent. Franchement, celui-là m'a l'air plus beau. Bon, clairement, c'est du cel shading, ça ne consomme pas grand-chose. Pour ça, récupérer un cran de plus de 1. Lâcher un plus de 3. D'accord. Attendez, appuyez deux fois sur LT ou RV, d'accord. Attendez, faut juste le remplir. Voilà ma deuxième barre. Et donc, deux fois. Ok, d'accord, ça c'est nouveau. Auparavant, les acolytes ne pouvaient pas lancer le leur depuis ce craft. Effectuer un tout plus ultra. Ouais. Ok, ça roule. Ça par contre, ça y était déjà dans le précédent. Allez, viens là que je te cogne. Voilà, et donc maintenant. Ah, les combats sont bien dynamiques, hein, ça change de One Punch Man. Mais alors tellement. Ok. Oh merde, je voulais pas déjà utiliser ma barre. Bon, pas grave. J'aurais voulu terminer avec le plus ultra en équipe, mais bon, tant pis. Et perfect. J'ai rejeté un coup d'œil sur YouTube après sur les images du jeu précédent. J'ai vraiment l'impression que celui-là est carrément plus joli. Ah oui, pour ceux d'entre vous qui faites partie de ma communauté Discord, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal vocal de mon serveur. J'y suis présent en ce moment même. Ok. Alors, les contrôles par défaut, bon, je vais pas toucher à ça. Bakugo, Kyushu, Tassé, Sta, Oretashua, Kamino, Kara, Hanni, Chijo, Kakete, Yejo, Tadotta. Allmightが... Ok, de très bonnes pensées, Tamara. Ok. C'est marrant, je lui fais mal avec des flammes, alors que c'est lui-même par contre technique. Bon, désolé pour le chat, hein. Vous doutez bien que c'est entre les combats que je lis ce que vous m'écrivez. Allez, go! Ah merde, je pensais qu'il me restait encore un plus ultra. Ouais, là pour l'instant c'est facile, mais faut pas se leurrer, hein. Le jeu précédent aussi c'était comme ça. Ça me semblait complètement cheaté au départ, et arrivé à la moitié, là je m'étais pris un beau kick de difficulté dans la figure. J'avais eu même beaucoup de mal à combattre, enfin à battre, le All for One. Yats.
親父は親父なりに考え始めていたのかもしれない。爆豪を救出し帰宅したんだが、クソ親父が騒いでるみたいだ。始めよう。なななななななな。ah mais merde, j'ai relancé le même combat. 爆豪救出。ah c'est. non. non 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 non. ah. le chapitre. 爆豪を救。夢のために無茶をしてきた僕。お母さんが心配するのは当然で。ごめんお母さん。それでも僕は始めよう。jouer la scène. d'accord, c'est juste une animation. 神の試験を受けて雄英は生徒をより強固に守り育てるため全寮制の導入。そして僕の家にははっきり申し上げます。伊豆の親として。Alors, petite minute publicitaire hein, pour ceux qui sont actuellement sur mon sang en live. Si vous n'avez pas encore fait nécessaire, merci de rejoindre mes followers.Le bouton est situé au-dessus de l'écran vidéo, hein, c'est le bouton où il est indiqué à suivre. Également représenté avec un cœur. Et en dessous de l'écran, vous trouverez un lien qui vous permettra de rejoindre ma communauté Discord. Vous y serez les bienvenus.私は、伊豆少年が私の後継に、伊豆少年に、私、この命に変えても。嫌です。だって、あなたは伊豆の生きがいなんです。約束します。憧れのヒーローから、ここまで行ってもらえるようになってたんだもんね。絶対。Voilà, donc là on voit en haut que je suis à 5% de progression du mode histoire. Voilà, alors pour ceux qui ont rejoint mon stream, j'expliquais tout à l'heure que j'ai fait le jeu précédent et en fait le mode histoire, quête annexe compris, n'est rempli quand on voit l'ending qu'à 50%, car une fois que le mode héros est terminé, donc vous voyez en dessous des héros il y a des points d'interrogation. C'est le mode vilain, donc voilà, c'est l'histoire en parallèle des super vilains que l'on doit jouer. こことりあえず1年 A 組無事に集まれて何よりだ。さてこれから寮について軽く説明するが、その前に一つ大事な話だ。いいか、轟、桐島、いや、その様子だといくつ行った5人はもちろん、把握しながら止められなかった奴らも除籍処分に本来ならしてる。理由はどうあれ、しかし、ヴィラン連合の出方が読めない以上、雄英から人を追い出すわけにはいかない。うん、さあ、中に。除籍処分、信頼の裏切り。いや、待って、元気。あおずれ。え、おら。ファイナルラウンド、レディー。オッケー。別のエースだ。Attends, fais gaffe que celui qui manipulait l'électricité, il était vachement chiant dans le jeu précédent. Ouais, bon, en même temps, Bakugo il fait très mal. Hein. Oula, qu'est-ce que je disais? Oula. Non. Oula.
Enfoiré. いつまでもしみったれられっと。 1と1クラス、右が女子棟、左が男子棟と分かれてる。ただし1階は共同スペースだ。聞き間違いかな。風呂、洗濯が。広きれい。ソファー。部屋割りはこちらで決めた通りだ。各自事前に送ってもらった荷物が部屋に入ってるから。とりあえず、あとミネタ、風呂と洗濯は男女別だ。 Ah bah, il avait qu'à être un petit peu plus clair dès le départ, hein. J'avais compris la même chose. Ils ont bien parlé d'un espace commun. Lol. Mais je lui marchais dessus. Pauvre petite chose. Bon lui ça va, je crois qu'il aime se faire taper par les filles, ça tombe pas trop mal. Oula, enfoiré. Eh, elle bouge vite. Elle est moche, mais elle fait mal. アシドさんたちの部屋を決めるという提案を。オールマイトだらけ。オタク部屋だ。すごい。佐藤の部屋は？え？常闇の部屋怖くない？剣とかあるけど何に使うの？ Avec les chambres personnalisées comme ça, ça me rappelle Ah merde. J'ai un blanc. La gandronne pas. La chambre des étudiants. では第1得票数5票。あと全部ヒーロー。お部屋広。必殺技のトレーニングか。みんないろいろ始めよう。ハイツアライアンスへの引っ越しが終わり、今日から学校が始まる。今後だが、まずは仮免取得に向けて動いてもらう。
ヒーロー免許ってのは人命に直接関わる責任重大な資格だ。当然試験学校っぽくてそれでいてヒーローっぽいの来た。技の有無は仮免試験の合否に大きく影響すると先生から伝え、戦闘とはいかに自分の得意一生の型技を押し、ファイナルラウンドレディー。C'est ça qu'ils appellent des faux super vilains. Mon pilote dit que c'est pas dans l'histoire d'origine ça. Non mais là c'est totalement ridicule. Je vais encore finir avec un perfect. Ah bah non. J'aurais pu. Salut Silol, comment tu vas? Silol, m'entends-tu? Là, ça doit faire à peu près une demi-heure que j'ai débuté le stream, et vraiment, il est très 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 sympathique. Ah mais alors, ça change beaucoup de One Punch Man. Je pense même que j'avais été un petit peu généreux la fois dernière, hein. J'avais dit qu'il avait le droit à 13 sur 20. Non, avec le recul, je me suis ravisé, hein. Plus la moyenne, 10. Voilà, je parle de One Punch Man. Là, par contre, on a vraiment un vrai bon jeu de baston. Et pour l'instant, en bien des points supérieurs au premier. Merde, je prends pas le temps de dire. Alors... コスチューム改良のため開発工房に向かった僕、そこにいたのは初音さん。始めよう。オールマイトの言葉の意味はまだ分かっていないけれど、考えていても始まらない。開発工房に到着した僕を歓迎してくれたのは爆発じゃなくてサポート課の初音さん。Entre nous, il n'y a que moi qui a les yeux portés ailleurs que sur les yeux de la fille. キンニクの収縮を感知して動きを補助する high-tech っ子。で、僕、腕のサポートアイテムを発熱を極限にまで抑えたスーパークーラー電動ブースター。知ってます。でもですね、私思うんですよ。足を冷やしたいなら腕で。足がダメなら腕で。おお、なんか、なんか。既成概念にとらわれず、常に発想し思考し続けるのですよ。さあさあ、他にご。開発工房へ行ってから、そんなこんなで4日後。手のひら全体じゃなく一点に集中し、決まっ。おい、上、今だ。危ない、オールマイト。少年、正解だ。そのまま。ça veut dire quoi ça les fous super vilains? C'est n'importe quoi. オールマイトの必殺技は基本的に特殊。ワンフォーオールを授けた僕は。Oh merde. 無意識のうちに決めつけていたんだ。手が不安なら足をメインに。単純すぎて気づきすらしなかった。これが僕のワンフォーオールフルカール。シュートスタイルだ。
娘さん考案のこのソウルのおかげだよ。飯田くんに体の使い方を教わってスタイルを変えたんだ。ニュースタイルは何もおめえだけじゃねえぜ。俺らその通り、仮面試験には未知の個性を持ち洗練してきた者が集うわけだ。オールマイト、OK. Par contre, Bakugo au Kyushu. People secondaire. D'accord, ok, c'est ce qui me semblait. Donc il y en a certaines où c'est écrit secondaire. Donc on a la possibilité de. Ok, d'accord. Ok, parce qu'en fait, le précédent, vous voyez, ça faisait bah, les arbres habituels, hein, vous savez, où on voyait clairement les branches. En fait, c'est là que l'on choisit entre l'histoire principale et le faire les combats d'un point de vue d'un personne, d'autre personnage. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, je reste ça plus tard. ヒーロー仮免許取得試験当日、この試験に合格し仮免許を取得できればお前ら卵は、よーし、ウルトラ、なんだこのテンションが高い人は。その制服、勝手によそ様の。あー、詰まった。一度行ってみたかったっす、ブルースウルトラ。止血生としての振る舞いを教育するのも先達の役目。秘蔵エボシである。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。腹からに制裁を加えねば。団長の思いである。c'est complètement pété, je peux attaquer à distance. お願いします。我が教育が良い。J'aimerais juste remplir plus, merde, plus rapidement ma jauge sucre. Bon allez, tant pis, que la première sera déjà ça. Oh merde, il est là. J'ai raté mon coup, zut. Hey. Attaque à distance, mais le problème c'est comme il n'arrive pas de courir latéralement, j'arrive pas à le toucher. Ah, ok. Bon. Le problème c'est que mon personnage ne court pas très vite.力の差が分からなかったか。エクセレント。ニューストーリー。ゴイ。どうも大変失礼いたしました。遊泳の皆さんと競えるなんて光栄の極みっす。よろしくお願いします。行くぞ。夜嵐なさ。昨年度、つまり遊泳大好きとか言ってる割に入学を蹴るって。だが実力は本物だ、マークしとけ。ヒーロー仮免取得試験当日、
目の前にいきなり現れた。Il y a beaucoup de moins de cinématiques que dans le premier. ついに始まる仮面一次試験。僕たちはヒーローコスチュームに着替え、試験内容の説明会へ向かった。仮面一次試験の通過条件というのがこれです。受験者はこのターゲットを3つ体のターゲットにボールが3つ当たった時点でその受験生は脱落、3つ目のターゲットに当てた人は倒したこととします。2人倒した者から勝ち抜けです。通過は先着100名のみ、101人目からは不合格とします。ルールは以上。それでは仮面一次試験を始めます。4、3、実施。いや、誰かの個性で地面が割れた。早く、一人でいたらやられる。互いを生かす連携や戦況判断の年季が違う。当たった。目の前から突然現れた。ファイナルラウンド、レディー。この帽子、y'a que moi qui trouve qu'elle a l'air d'être sortie d'un gâteau d'anniversaire。Oh non. Oh oui. Non. Alors faut que je me ressaisisse.Ça m'a vraiment fait mal. Oh mais punaise! Non! C'est bon. Ok.C'est ma faute. J'ai mon code concentration. Oh punaise. Mata inai. UA が早めに脱落する可能性を考えて会いに来たの。せっかくの子。ぶない。消える個性だと思ってる。私はただ隠れてただけよ。これは止血ではそんなことも習得。その瞬間息を止めて何も考えず潜む、紛れる、何も考えずが難関よ。危な、最悪だ。誰とも合流できず大勢に囲われてる。大丈夫、こっちに。はい。この声は目の前にいきなり現れた。うららかさん、来てくれたん。始めよう。僕は開始直後に何者かの個性によってみんなと分断され、あの時僕が戦うことを選択せず腕をガッチャンを奪い返せていれば、オールマイトは人を助けるにはまず自分の無事、体が追いつくまで 100%。 ありがとう。うん、いや別、うららかさんは短い時間なら副作用を気にせず自分に個性を使えるようになってる。危ない目にあっても初と、僕の知ってるうららかさんじゃない。気づいて助けたってことは逆に利用しようとしたの？
引っ掛け、なんだよ。ビッグ、大丈夫。ファイナルラウンド、レディー、クラッシュ。まず、うん、うん、うん、そこからでも無理。行くよ、まず、突撃。ドーン。やばい。こんだけの量なら重くそう。Ok, la preuve que c'est moi tout à l'heure qui a manqué de vigilance. Ah merde. Easy. ターゲットを脱いでる。狙われるリスクはあるけど、あの人を狙うのは難しい。うららかさん、なんつったあの人、言ってることがわかんねえ。始めよう。試験開始と同時に爆豪と霧島が走ってっちゃうから、寂しくてついてきちゃった俺。止血生と鉢合わせて。これは G である。就学時より責務と教授を寛容する我々と、そやでただ者のままヒーローを志す職。責務、教授、ペラペラペラペラと。口じゃなくて行動で示してくださいよ先輩。なんつったあの人、目が細すぎて相手の実力が見えませんだと。私の目は見目よく頂戴である。ファイナルラウンド、レディー、クラッシュ。 UA 高校、私は尊敬して温厚と誤することに誇りすら感じていた。品を貶めてバカ。特に貴様だよ、バカよ。嫌いなタイプ。Enfoiré, j'ai oublié que moi d'un cas distance. Ok, on va aller un peu plus vite maintenant. Oh punaise! Ah, j'avais totalement zappé. Oh merde. J'aurais dû profiter que j'étais contre lui tout à l'heure pour l'enchaîner. Voilà, je casse sa garde et je le finis. だろうが関係ねえ。私としたことが。しかし私が倒り気づかせよう。何なんだこの人は。こんな戦闘不毛すぎだろう。飛び道具。俺を無視してないね。無視。なんつった。霧島に続けて爆豪まで。始めよう。今試験は異例の少数採用。オールマイトが引退した今、本来であればヒーローは増員して叱るべきでは。こ試験そっちのけでやるとかおかしいよ。それにしてもさっきから胸に刺さるのは己に自覚。俺のこと
ファイナルラウンド、レディークラッシュ。Première fois que j'utilise ce personnage。Ah merde! Ouais, faut surtout que je fasse pas la bêtise de laisser prendre sa distance vu qu'il peut attaquer de loin. Ah mais moi aussi je peux attaquer de loin! À quoi? Ouais c'est ça. Ah mais punaise. Je vais pas comprendre. Ok. で下水道みてえな爆豪も割と真面目にヒーローやろうとしてますよ。立場を断片的な情報だけで知った気になって押せんだよ。ありがとな。ダメージ次第で解除されちまうんすね。見つけたぞ青山くん。さあ俺と共にみんなを。ce ne sera qu'une cinématique。何始めよう。俺は委員長として A 組を導くためみんなを探して駆け回っていた。青山君と合流するも俺は A 組の委員長、クラスを導く立場だ。時間と足の許す限りはクラスに目立ってる。僕はもう2カ所ターゲットをやられてる。僕をかばってると共倒れ。何を急に言ってる。パパ、ママ、どうして僕はみんな青山くんのレーザー、あそこにみんないる。青山め、一網打尽の策というわけか。ブラ青山が作ったチャンス、必ずものにする。取れるやつ。みんな、青山くん、何をもって対等なのか物差しが違うゆえ分からんが、ま、僕のきらめきは止まらないってことだよね。うん、残り7名、5名、続々とこの最終盤で一丸となった UA がコンボを決めて通っていく。青山のおへそレーザー見えたから、また集まっ。こうして一次試験は終了した。 A 組のみんなはなんと。見つけ、なぜか俺を睨んでくるが、始めよう。一次試験が終わり、二次試験が始まるまで控え室で待機していると、死血の坊主が俺を睨んできた。おい。ほうほう。俺はあんたらが嫌いだ。あの時よりいくらか雰囲気変わったみたいですけど。ファイナルラウンド、レディー。Enfoiré! Facile. アメージング。弱らし、やめなさい。
Le niveau des combattants est vraiment inégal. それでは次の試験でラストになります。皆さんにはこれからこの被災現場で傷病者を救出してもらい、ヴィランによるテロが発生。その場にいるヒーローたちは一人。ついに仮面試験の最終選考が始まった。必ずこの試験を乗り越えて仮面を勝ち取るぞ。なぜか俺を睨んでくるが、な、二次試験はヴィラン制圧と救助活動、熱いっす。早速制圧に向かうっすよ。二次試験は始めよう。仮面最終選考はヴィランを制圧しながらの救助演習。救助は他に任せて。演習のシナリオだろう。どう動くヒーロー。さすがに余裕かよ。空気飛べって、なんで炎だ。熱で風が浮く。さてはあんた、手柄を渡さないよう合わせたな。はあ、誰がそんなことするかよ。ヴィランを前にくだらん喧嘩とは随分と舐められたもの。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。ヒーローってのは俺にとってあんただ。熱い心が人に希望とか感動を与える。それなのにエンデバーとアンドネからはただただ冷たい怒りしか伝わってこなかった。さあ、マジだとふざけんなよ。俺はあいつだ。Je pense que je lui ai fait mal. Ah, punaise. Il fait mal aussi. Ah, c'est surtout le combattant que j'ai là qui est pas terrible. ギャングオルカを閉じ込めたけど、そうかん、始めよう。雨降って地位固まる。過ちに気づき取り返さんとする。そういうあがきは嫌いじゃないな。すぐ思い出せなかった。やつを否定するために見てだが、ねえよ、とどめだ。二人からファイナルラウンド、レディークラッシュ。新しいスタイル。あ、めっちゃ痛い。alors ça ça va te payer。召喚試練だ。ぬるい。ここから
Ah, il est chiant avec ses projections. Mais bon, de toute façon j'ai gagné. Wow, tu m'as pris d'un coup lui. ただいまをもちまして配置されたすべての傷病者が終わった。高速用プロテクターが動きづらいなど、あの炎の渦はそれほどに見事だった。そして乾燥によるダメージからの奴の奇襲。二次試験が終わり、合否の発表。 Voilà, donc là on part sur une cinématique. そして始めよう。二次試験が終わり、合否の発表。危機的状況で。届け！ごめん！もともと俺が撒いた種だし。これにて仮免試験は無事に終了。いろんな人に助けられてきて、いろんな人に迷惑か。En fait, j'ai vu cette partie-là de la saison pas plus tard qu'aujourd'hui. Voilà. Et ça se terminait justement avec un combat contre Kachan. オールマイトからもらったんだろう。個性の話と言われた時、何のことかはもう分かってた。てめえも俺もオールマイトに憧れた。ずっと石ころだと思ってたやつが。てめえの何がお。マジでか。ガッツ。ファイナルラウンド、レディー。てめえの憧れの方が正しいってんだら、じゃあ俺の憧れは間違ってたのかよ。なあ、じゃあ手も食う。君の憧れが間違ってるなんて誰も。待ってってば。バッチリ。あ。詰めていけ。もんじゃうか。いつも嫌がった。どんだけぶっ叩いてもいつも背中に張り付いてやがったのに。どけ。このてめえが力をつけてオールマイトに認められてよくなってんのに、それになんで俺は叩き切れるんだ。悲しいぞんだら蹴るけ。おおおおおおおおお、そろそろ決めたい。N'allez pas croire que le jeu est si facile que ça, hein. C'est parce que j'ai fait le premier, j'ai encore mes flex. ミランにさらわれなんかしなぎゃ、あんなことになってなかった。どうすりゃ。ずっと抱え込んで、僕なんかよりずっと悩んでたんだ、考えてたんだ。ないかもしれない。それでも僕はやらなきゃ。ガッチャンの気持ちを今受けられるのは僕しかいないんだから。やるなら全力だ。何もねえ野郎
だったくせに俯瞰したような。僕にないものをたくさん持ってた君はオールマイ勝利の権限。悪いけど負けるか。俺の勝ちだ。オールマイトの力、そんな力。緑谷少年、爆豪少年、始めよう。そこまでにしよう、二人とも。わ、緑谷少年は非力だけど、誰よりヒーローだった。君は強い男だった。俺だって弱えよ。あんたみてえな強い奴になろうって思ってきたのに、弱えからあんたをそんな姿に。これは君のせいじゃない。どのみち限界は近かった。緑谷少年が爆豪少年の力に憧れたように、爆互いに認め合い、まっとうに高め合うことができれば。そんなん聞きてえわけじゃねえんだよ。なるよ。オールマイトはカッチャンに話した。巨悪に立ち向かうため代々受け継がれてきた力ということ、傷を負い限界を迎えていたこと、そして後継者を選んだこと。秘密は本来私が頭を下げてお願いすること。どこまでも気を使わせてしまってすまない。結局俺のやることは変わんねえや。ただ今までとは違え。デク、お前が周りを見て吸収して強くなったように、俺も全部俺のもんにして上へ行く。選ばれたお前よりもな。じゃあ僕はその上を行く。行かなきゃいけないんだ。僕とオールマイトの秘密が三人の秘密に。以前と違って僕とカッちゃんは真っ当にライバルっぽくなったような気がする。Ah, bonjour, Funlovin 83. Non, non, j'ai pas testé le multijoueur. Voilà, là, sachant que j'avais déjà joué au précédent jeu, hein, le My Hero One Justice premier du nom. Voilà, bon, le multi, de toute façon, au niveau du multijoueur, c'est rien d'autre que ce que je fais là, mais en affrontant d'autres joueurs. Là, actuellement, je suis à peu près à une heure et quart de jeu. Je trouve bien des points supérieurs au premier. Ils ont vraiment bien bossé pour corriger tous les défauts du premier du nom. Le premier du nom m'avait laissé encore un goût un peu amer. Enfin, les revenants de l'équipe qui étaient à l'origine des Naruto Ultimate Ninja Storm, j'ai trouvé qu'ils avaient joué pas mal la facilité. Hein. On était vraiment sur un gameplay identique. J'avais plutôt même l'impression de jouer un Naruto avec des skins de My Hero, et là celui-ci franchement je m'éclate. Il est plus beau, plus fluide. Il faudrait vraiment que je réessaye quand même un coup le premier, parce que j'ai l'impression qu'il y a des nuances dans le gameplay par rapport au précédent. Je veux dire aussi que le niveau entre chaque combattant a été aussi mieux équilibré, parce que sur le premier on pouvait être over-cheaté, puis après, juste après, utiliser un personnage qui était lent, faible. D'ailleurs, je me souviens du combat contre le All for One.
selon le combattant que j'utilisais contre lui, franchement, j'avais parfois des difficultés, plus qu'avec le précédent. Et ce qui est marrant, c'est que, en fin de compte, celui qui m'a donné la sensation de puissance la moins importante contre lui, c'était encore All Might, cherche l'erreur. Alors là, faisons des rencontres. Encore une scène. Je trouvais qu'il y avait moins de cinématiques que dans le premier. C'était avant. Ah, et au passage, si tu ne fais pas partie de mes followers, merci de bien vouloir corriger le tir. Tu sais où se trouve le bouton? C'est au-dessus de l'écran vidéo avec le cœur. じゃがいもだと思ってんのぞんでも甘じきくん、そういうの飲みの心臓って橋戸さんの角折れたら生えてくる動くの峰田くんのポールおおとりは俺セントタナンヒーローインターンの説明にUAトップのビッグ3が来る 一体どんな人たちなんだろう始めよう Ah mince, j'ai relancé la scène précédente. Passez. Hero intern no se. 1 an kara karimen shitoku ka. 1 an kara karimen. Ouais, que je pense aussi à faire les quêtes secondaires. 1 an kara karimen shitoku ka. Hajimeyo.自己紹介のつかみで滑り倒してしまった俺たち3人。君たち、まとめて俺と。ミリオ、やめた方がいい。立ちな。昔、挫折しちゃってヒーローを諦めちゃって問題を起こしちゃった子がいたんだよ。大変だよね。我々はプロとも戦っている。 そしてヴィランとの戦いも経験しています。 心配されるほど、俺ら雑魚に見えますか? ああ、お前らいい機会だ。しっかり揉んでもらえ。 その人、トーガタミリオは、俺の知る限り、もっと… うん、いつどっから来てもいいよね。 一番手は誰? 僕、行きます! Mais c'est qu'on personnage fait mal là. Mirio Togata. Il ressemble à Mickey dans les 50. Ah zut. なぜ強いかって、やっぱり予測ですよね。アメイジング。ニューストーリー。ワープ。すり抜け。からくりは何だ。すり抜けの応用で。 俺の個性、10日、強かった。ワープ風の移動はその応用さ。すり抜けるし、ワープだし強すぎ。そう。そして地面への落下中に個性を解除すると、不思議なことが起きる。質量のあるものは重なることができず弾かれてしまう。つまり俺は瞬時に地上へ弾き出されてるのさ。これがワープの原理。体の向きやポ 攻撃はすべてすかせて自由に瞬時に動ける。いや、強い個性にしたんだよね。発動中は肺が酸素を取り込めない。光や振動を透過させ何も感じることができないんだ。この個性を生かすには予測とそれを可能にする経験。インターンにおいて我々は
プロとして扱われる。それはとても恐ろしいよ。けどが大きすぎる個性のデメリット。しかし1年から待ってください先輩、始めよう。トーガタさ、1年生に怪我させるかと思ってたの。面白い。一番手の子、俺の初手を分析し。トーガタ先輩、もう一度僕と戦ってください。それで僕が勝ったらインターン先に紹介してください。君はサーナ…グラントリノからサーナイトアイのこと聞きました。インターンを受け入れてもらえる。僕の個性はオールマイトによく似ているので、あなたのサイドキック。断ります。分け合って彼とは気まずいんだ。私からは紹介できないが、トーガタ少年に頼んでみてはどうだろう。なるほどね、いいよ。俺、そういう勝負嫌いじゃん。ファイナルラウンド、レディー、クラッシュ。新しいスタイルで、足は痛い。よいしょ。これまでの成果を、スイッチを入れろ。合わせて、食い込め。先に行ける。今度から、あ、merde。Bonjour. Ah, bonjour, c'est l'objet qu'on va-tu sur live. Ah, ça va. Ah, d'accord. Et comme bien souvent, ton micro est totalement pété. Ouais. Mais vraiment. Tu mets dans ta bouche ou quoi ? Non, y'a c'est bon. D'accord. Bon, alors pour information, je suis sur le nouveau jeu de My Hero Academia. Qui est... Alors si tu as joué au premier, franchement, celui-là est très largement supérieur. Ouais. J'avais pas particulièrement accroché sur le premier, mais alors celui-là... il est très fun, je m'éclate. どんなに困ってる人でも笑顔で誰も心配させることもない。いや、これは書いてたミクロ。必ず助ける。最高のヒーローです。めちゃくちゃな目標だね。いいんですか？ああ、もともと。さあ、はい。D'accord. Bah, attends. D'accord. Attends, de toute façon, là, je comptais justement arrêter. Hop là, mon stream. Voilà, donc pour ceux qui seront sur le live qui n'auraient pas encore fait le nécessaire, merci de bien rejoindre mes followers, hein, vous savez, sur le bouton, c'est au-dessus de l'écran vidéo. Pour ceux qui sont par contre sur une rediffusion, sur le replay, même discours, à moins que vous soyez sur un autre support, un coucou YouTube. Dans ces cas-là, merci d'intégrer les abonnés. Là, c'est plus au-dessus, mais en dessous de l'écran vidéo. Voilà, et vous trouverez également un lien qui vous permettra de rejoindre ma communauté Discord, vous y serez les bienvenus. Et sinon, pour conclure ce test, sur 20, je lui donne de bon cœur un bon 17. Il est vraiment excellent, c'est une valeur sûre, voilà. Pour ceux qui ont ragé sur One Punch Man, oubliez ce titre déplorable et foncez sur My Hero One Justice 2, vous ne serez pas déçus. Sur ce, à bientôt. Au revoir. Boku no Hero Academia, One Justice 2. Et désolé pour la qualité des paroles de la musique. Genre, c'est si horrible que ça.